Dans cette communion ce soir, que ton nom soit béni. Notre prière ce soir, que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Toi qui avais tout prévu dans ta parole, Seigneur, souviens-toi que c'est ta parole qui a fait que nous puissions être ici. Et nous remettons ceci du début jusqu'à la fin entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demander. Il dit, cher petit Boutilo, en venant, amène-moi Kotululumbu. Kotululumbu, what you have? Voilà Kotululumbu. Du chagma. Je crois que pour les connaisseurs, ça, c'est la laine d'hier, c'est pas qu'il y a des gens de laine. Voilà. Karuchi. Jean-Marc. Martin. Doucement.
Bondo. Yeah.
Accepte-tu de prendre la sainte grâce de mon Dieu? Comme ton épouse devant Dieu, devant mon pasteur, je vais promettre. Accepte-tu de prendre cet homme comme ton mari légitime? Oh, rejetant tous les autres hommes. T'attachant à lui seul. Oui, je m'en mon épouse. Je le résume à ma soeur, moi, que je t'aime tellement. Merci, Seigneur. Je me tiens ici devant tout ce peuple, habillé en voile. Toi, un homme qui a su m'honorer. Et je me rends pour te dire merci, si ce n'est que dire que je t'aime. Créateur des cieux et de la terre. Ce couple est venu, Seigneur, devant ce ministère pour être consacré. En tant qu'Éphésiens 4, sorti du ministère d'Amérique, Seigneur, j'ordonne que ce couple et puisse vivre comme homme et femme. Au nom de Jésus. Amen. Je suis le pasteur Nzingula Mathieu Honoré de Zorobabel Tabernacle de Lassouville au Gabon. Je suis venu pour accompagner et assister le frère Grace Mutombo qui est venu sceller son union auprès des parents de la fille. Et nous, j'ai personnellement fait un constat, c'est qu'en 2018, il y a beaucoup de filles, de pasteurs du message qui se sont mariées. Alors, donc c'est un honneur pour le message du temps de la fin. Shalom à tous, je suis professeur Esther Bissou. Alors je suis actuellement au mariage de Grace et Graciel. Ils arrangent leur vie selon le message, selon la parole. Alors quand cela se fait, alors on doit féliciter la Bible pour que le mariage soit pour nous.